Absolument, parce qu'on lit un peu partout, encore aujourd'hui, que la plus grosse araignée de tous les temps vivait au Carbonifère, en même temps que certains insectes géants particulièrement célèbres, comme Meganeura. Or, cette araignée n'en était pas une. Megarachne cervinei a été découverte en 1980 par Mario Huineken en Argentine. Elle a à peu près le même âge que la première araignée connue, enfin l'animal qui est considéré comme la première araignée connue, elle date d'environ 305 millions d'années. Cet animal a été décrit au départ comme une araignée grosse comme un chat, avec une morphologie très bizarre, notamment le fait d'avoir un corps entièrement cuirassé, mais avec un abdomen d'une seule pièce, et des pattes bizarrement courtes et frêles pour sa taille énorme. Depuis qu'elle existe, enfin depuis qu'elle a été découverte en tout cas, on a de grosses controverses sur son appartenance au groupe des araignées et même sur son appartenance au groupe des arachnides tout court. Or, la saga de Megarachne a trouvé son dénouement en 2005 quand Mario Huineken lui-même, accompagné de Paul Selden et de José Coronsa, ont décrit un nouveau spécimen de Megarachne et certains de ses proches cousins. En fait, Megarachne n'était qu'un eurypteride, c'est-à-dire un de ces grands scorpions de mer ils sont proches du groupe des limules et qui vivaient donc jusqu'à la fin du Carbonifère, qui était d'une taille relativement modeste pour un eurypteride, puisque les plus grands mesuraient jusqu'à 3 mètres de long, celui-là faisait jusqu'à 60 cm, et c'est le hasard de la taphonomie, donc de sa fossilisation et de tout ce qui s'est passé depuis sa mort, qui a beaucoup abîmé ce spécimen et qui lui a donné vaguement l'allure d'une araignée. Donc Megarachne n'est pas une araignée fossile et est encore moins la plus grande araignée de tous les temps. Mauvaise nouvelle pour les arachnophobes, vous n'avez pas choisi la bonne époque pour exister, puisque la plus grande araignée de tous les temps est donc le genre Theraphosa, qui compte 3 espèces à peu près toutes de la même taille, la plus célèbre étant Theraphosa blondii, la mygale de Leblon. Toutes les 3 vivent dans le bassin de l'Amazone et mesurent jusqu'à 12 cm de taille de corps pour une envergure totale qui peut atteindre une trentaine de centimètres. Évidemment, ça paraît énorme, mais il faut garder à l'esprit qu'en position de vie, une mygale n'a jamais vraiment les pattes étalées. On la voit plutôt avec les pattes repliées, ce qui lui donne une allure loin d'être aussi énorme que quand on voit des spécimens étalés, ce qu'on nous montre généralement. Pour ce qui est de la plus grande araignée fossile connue, il s'agit de Mongolaracne jurassica, du Jurassique supérieur de Mongolie, comme son nom l'indique, et qui était autrophobe attaché au genre Nephila, comme ces très grandes araignées qui existent aujourd'hui dans la plupart des régions tropicales du monde et qui fabriquent des toiles qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de large. Malheureusement, la découverte du mâle de cette espèce montre qu'il ne s'agit pas du tout d'une Nephila, mais d'une autre araignée au mode de vie inconnu puisque sa famille a disparu aujourd'hui. Pour ce qui est de la longueur de son corps, elle faisait à peu près la dernière phalange de mon pouce. C'est donc pas une araignée énorme, même si elle est relativement spectaculaire. Néanmoins, il s'agit de la plus grande araignée fossile de tous les temps, puisque la plupart des araignées fossiles sont connues de l'ambre qui sélectionne essentiellement de petits animaux. C'est pourquoi il est très probable qu'on ne retrouve jamais la plus grande araignée fossile qui ait existé, parce que il est très probable que si jamais cette araignée se trouvait piégée dans l'ambre, elle pourrait s'en dégager. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup et puis je te dis à bientôt.